quatre équipes qui ont beaucoup perdu. Quatre équipes qui ont beaucoup perdu, c'est Inter, c'est Liverpool, c'est Atalanta et puis Monaco qui ont beaucoup perdu. Donc Liverpool fait partie équipe qui ont beaucoup perdu. Liverpool c'est équipe ça qui bat tout match qu'ils jouent déjà. Liverpool c'est seule équipe qui bat tout match, 4 rencontres, 4 victoires pour lui. Eh bien, en cas de victoire, équipe Liverpool là, la reprendre. En cas de victoire, équipe Liverpool là, la reprendre première place. Mais si équipe Liverpool là, lui-même, lui fait match nul, des possibilités pour le reprendre. Ok? Des possibilités pour le reprendre première place également. Pas de ces 12 points le gagner. Donc, yon match nul a mette la 13 points, la gon pi bon goal différence qui équipe Inter là, la prend première place là. Maintenant, si yon fait défaite, eh bien, équipe sa zan même qui est Liverpool là, si yon perdu, Liverpool gen chance, sorti 3e pour tomber 4e. Ok? Liverpool gen chance pour perdu, yon place, au moins yon place en dit comme ça, si yon même yon perdu. Bon côté équipe madrilène, nan moment m'a parlé là Real 21e qui ça me dit quoi pas oublier c'est 1 à 8 cap tout qualifié pour les 8e de finale de manière directe 9e à 24e pas aller dans les barrages donc actuellement là Real barragiste donc si Real perdu c'est ça on doit connaître si Real perdu équipe madrilène s'il perdu Real a tombé en bas 25e place. Donc Real a tombé en bas. Si Real perdu, Real a nan rang élimination. Donc Real pas gagné aucun héros pour faire dans match de football ça. Parce que depuis le perdu, li pa nan 9 à 24e encore, l'a nan 25 à 36e. Donc nous pas connait qui place la pied nan sorti dans 25 pour venir dans 36e. Mais seulement connait le pas 36e. Mais qui dit 25 à 36e, vous êtes éliminé. Qui dit 9e à 24e, est bon qualifié pour les barrages. Donc, équipe Real Madrid, là, pas de perdu. On nous garde un match nul pour Real. Si Real font nul, il a pris 7 points. Là, encore pas bon pour Real. Oui, il a pris 7 points. Mais Real, si Real gagne 7 points, on dit si Real gagne 7 points, même dans le top 15, il va pied. Peut-être qu'il y a dans le top 15. S'il fait nul. Ok? Peut-être qu'il est dans le top 15. Si il fait nul. Ou bien il a toujours été dans 19e ou 20e, etc. Eh bien, ce qui est très important dans la question, Real doit battre à 7 points et à 6 points Real. Manque 17 points, pardon. Pabli Real joue 4 rencontres. Il fait 2 victoires. Il peut faire match nul. Il perd 2 rencontres. Ce n'est pas possible. Donc Real gagne seulement 6 points pour 4 rencontres. Qui donc Real te gagne 12 points qui étaient disponibles, il prend seulement 2 la donne. Donc, équipe Real de Madrid, il a besoin de faire une victoire pour que il soit capable de venir à 9 points. Et tant de oui, même le Real gagne 9 points, souple, il ne peut pas être top 8, non. Même le Real bat, il ne peut pas être top 8, non, souple. C'est une bagarre tellement compliquée pour Real Madrid là. Non seulement le Pagan doit aller loin, il doit battre Liverpool. Et puis pour continuer, battre notre équipe Liverpool pour capable terminer le top 8. Donc, ou imagine aussi le tapé du compte Liverpool, c'est pété net. Et bien, seulement, c'est ça qui va gagner pour l'équipe Real de Madrid. Les gens qui, en Haïti, le match de football a joué à 3h, c'est pour aller en field, a joué la équipe Liverpool. Là. Nous allons regarder ensemble avec moi qui dernière fois Real a la caille Liverpool et comment ça a été. Et les 10 dernières rencontres entre Real Madrid avec Liverpool, comment ça a été. C'est 4 pour moun ki Santo Domingo, 3 pour moun ki nan Port-au-Prince. Donc ou même qui nan pays ou yon bas konnen, ou a gade fuseau horaire là pour konnen qui le la pied pour. Maintenant, 10 dernières confrontations entre Real Madrid avec Liverpool. Real Madrid c'est victoire 2014, victoire 2014, victoire 2018, victoire 2021, victoire 2022, victoire 2023. Victoire 2023. Eh bien, l'opre 10 dernières confrontations, l'opre 10 dernières confrontations, équipe Liverpool, il fait seulement 2 victoires.
Liverpool fait seulement 2 victoires. Real fait 7 victoires. Yo fait yon nul. C'était bien. En 2021, yo te fait 0 goal partout. Très bien, fanatique football, fanatique Vladi. En 1981, équipe Liverpool lance sacré champion Ligue des champions sous équipe madrilène. En 2018, Real pral casser maintenant mais Real pral champion Ligue des champions sous yo également. Et puis en 2022, Real pral champion Ligue des champions sous équipe sacré Liverpool là. Liverpool Real Madrid, c'est pral 21 Ligue des champions pral souterrain. OK? OK? Real Madrid Liverpool, c'est pral 21 Ligue des champions qui pral souterrain. Real habitué champion sous et sous Liverpool dans Ligue des champions. Liverpool habitué champion sous équipe Real de Madrid là. Qui donc c'est deux gros équipes qui pral jouer. Pas oublier me dit nous Liverpool avec équipe qui est le Bayern Munich là, c'est troisième équipe qui plus titré après Real Madrid qui gagne 15 Ligue des champions. Équipe Inter Milan. Mais bah Inter Milan c'est Milan AC. Milan AC qui gagne 7 Ligue des champions. Bayern Munich avec Liverpool gagne 6 Ligue des champions. Après ça nous jeune Barcelone qui gagne 5 etc. Donc dernière fois deux équipes ça yo même yo joué, c'était victoire pour équipe Real de Madrid là. Yo green goal à 0, c'était dans le match retour. Match aller et belle était fini et yo green goal et il était fini 5 goals à 2. C'était la caille équipe Liverpool là. OK, c'était 5 goals à 2 et puis dans match retour la caille Real te bat zamam yo green goal à 0. Nous rappelons dans 5 à 2 comment Liverpool te gitan dès le commencement bien et bien pral craser Real et puis sont allé en égoté fait remontada. Maintenant dernière fois Real à la caille Liverpool, Real te battu. Real battu 5 goals à 2. Tout le monde a dit yo Jean Liverpool en flèche là etc. en Anfield là etc. puis passer 52 000 monde te bel et bien présent. Est-ce que Real a sorti vivant? Heureusement, il était sorti vivant. Mais connait si vous regardez Real Madrid, les pap gen pi bon joueur hein? Le meilleur joueur du monde actuellement, Vinicius Junior, il pap là. Bon, l'autre petit bonhomme, comment il s'appelle, petite madame nan, Tecno yo bay pour iPhone et 16 Pro Max. Tecno ap la, par contre si Tecno Mbappé a fait causer. Mais en absence Vini, Tecno Mbappé t'a supposé faire bagaille. Est-ce que monsieur va le faire causer? Il t'a supposé faire bagaille d'ailleurs, c'est lui qui parle sur flanc gauche pour contre lui. Donc pas bien Vini pas monter sous l'île, pas monter sous Vini, la libre de la rencontre. Eh bien, c'est comme ça bagaille là lui-même lié. 3 heures pour Haïti, 4 heures pour monde qui dans Santo Domingo. Donc comment elle a fini? Écris ce qu'on a pour nous. Dis-nous combien elle a fini. Fanatique Real écrit victoire. Fanatique qui croit Real a perdu écrit et pas connia. Depuis fanatique Real écrit victoire même qui connaît Real pas battre écrit pas connia. Yo yo, ça cap fait Vladiston Kailan, ça fait longtemps on cherche un bon maillot football, maillot l'Argentine, maillot Brésil, maillot Real, maillot Barcelone avec tout l'autre club et sélection yo, et bon en bon bon en même. Ou pas nan plein encore parce que ou acheté fake. Dans Vladiston nous pas vendre canard, nous pas vendre fake. Qui donc pas acheter un bon maillot à bon prix dans Vladiston. Nous États-Unis, nous République Dominicaine. Contactez-nous Konya dans plus 1 829 569 31 97. Nous fait shipping n'importe côté. N'appli voli dans n'importe pays, dans n'importe endroit que vous yen. Contactez Vladiston. Sortant des ensemble. Problème ou résout. On va mettre fake encore. On va mettre canard encore. On va faire fanatique, belle équipe, gros équipe. Et puis on va mettre fake. Vladiston a résout ça pour vous. Contactez-nous Konya. Nous c'est pi bon store qui vend bon bagay. Yo, la distorsion, l'autre bagay. Mais des moun qui achetaient déjà, y'a Joe. Nous c'est pi bon store là.